comme c'est la coutume, on va vous parler de ce qui a été notre meilleure technique de pêche, ou peut-être qu'en nombre de poissons, ça n'a pas été la meilleure, mais c'est ça qui a vraiment fait tourner le vent. On a recommencé à prendre des poissons, puis surtout des gros poissons. Puis là, je ne vous vends pas la mèche tout de suite. C'est une technique que moi, quand j'étais guide de pêche au doré, hein, j'ai guidé à temps plein au doré pendant une dizaine d'années, c'est une technique qui m'a souvent permis de sauver mes pêches. Hein, moi, je dis souvent qu'un des plus grands secrets de pêche, c'est d'être capable de s'ajuster au niveau d'activité du poisson. Puis la technique qu'on s'apprête à vous parler, le drop shot, c'en est un parfait exemple. C'est une technique de finesse pour quand les poissons sont au neutre. Oui. Fait que hier, à un certain moment donné, dans notre journée de pêche, qui avait quand même relativement bien débuté, il y a un petit front froid qui était en train de rentrer. Puis là, on voyait que graduellement, le niveau d'activité baissait. Puis on voyait qu'on était sur des poissons. Hein? Il y en avait beaucoup dans le sonore. Ouais. À un moment donné, on s'est regardé et on dit ouais. Donc, André, il dit il faudrait que nos deux passent au drop shot. Tu l'as fait, tu as monté ta ligne drop shot, puis ça a vraiment tout changé. Explique, Marc-André, un peu comment tu as travaillé tes affaires. En fin de compte, c'est du drop shot à la dérive. Oui, exact, c'est du drop shot à la dérive. Tu sais, le drop shot, en fait, le nom pourrait faire penser que c'est une technique qui est compliquée ou complexe, mais c'est assez rudimentaire comme équipement, en fait, comme leurre, là. On a besoin d'un plomb drop shot. La différence entre un plomb normal et un plomb drop shot, c'est tout simplement l'attache où on vient mettre notre fil. Avec un plomb standard, on ferait un nœud et ça s'arrêterait là. Tandis que le plomb drop shot, la tête est tout simplement coincée dans le petit œillet. On pourrait appeler ça un œillet où ça ressemble beaucoup d'une tête d'aiguille. Là, c'est vraiment, on vient rentrer le fil à la serre. Et qu'est-ce qui se passe? L'avantage que ça a, c'est que si jamais le plomb reste pris au fond, on donne un coup et le plomb reste au fond et on récupère tout notre montage. À ça, on vient ajouter un hameçon. Dans notre cas, on a utilisé un Fusion 19 modèle Wide Gap, à peu près 24 à 36 pouces au-dessus du plomb, dépendamment évidemment de les poissons se tiennent à quelle hauteur du fond. Souvent, on peut voir les dorés et la bedaine directement à côté au fond. Des fois, on va les voir, ils naviguent, ils sont plus en chasse, ils vont être à 18, 20, 24 pouces du fond. Donc là, on peut mettre notre hameçon légèrement plus haut en fonction du comportement du poisson. Et par-dessus ça, on vient ajouter, dans notre cas, le leurre qui nous a produit des gros poissons hier, c'est un flat nose minnow dans la gamme Maxent. La couleur smoke, black, blue gold. Exact. Puis je vais me permettre d'ajouter quelque chose sur ça, leur look. Ça fait moins de 2 ans que c'est sur le marché. Puis il y a des leurres comme ça qu'on ne sait pas nécessairement pourquoi, mais on s'en rend vite compte qu'ils sont exceptionnels. Ça, ce leurre-là, on a capturé là-dessus des très gros dorés à la jig. Là, hier, des très gros dorés drop shot. C'est un leurre qui est excellent aussi, drop shot pour l'achigan petite bouche. On parle vraiment d'un leurre exceptionnel. Entre autres choses, ses avantages, sa grande souplesse. Alors, même si c'est une action subtile, il y a de l'action. Puis, deuxième affaire, les becs mauves. Vous savez ce que c'est, les becs mauves? C'est la relativement nouvelle catégorie de leurre chez Berkeley qui s'appelle Maxent. Ça, quand la pêche est un peu plus difficile, comme ça a été le cas une partie de la journée hier, d'avoir un leurre qui dégage l'odeur, parce que Maxent, ça le dit, maximum d'odeur, c'est un gros, gros plus. Donc, on a ça aussi avec ce que je qualifierais de super leurre. Oui, non, c'est une bonne qualification. C'est vraiment un super leurre. Puis, je vais me permettre d'ajouter quelque chose, Marc-André, pour les gens qui ne sont pas familiers avec le drop shot. Pour arriver à être monté comme ça, là, ce qu'on fait, c'est qu'on attache l'hameçon avec un nœud palomard. Mais au lieu qu'il nous reste après notre nœud 2-3 pouces de fil puis qu'on coupe l'excédent, on s'organise pour qu'il nous reste la distance à laquelle on veut mettre le plomb. On coupe rien puis on met le plomb au bout, tout simplement. Marc-André, la canne que tu as utilisée pour ça? Écoute, la canne qu'on avait avec nous, évidemment, comme ceux qui ont pu voir l'émission, on était dans un espace restreint. Donc, on n'a pas apporté 28 cannes à pêche. Donc, on a choisi les cannes à pêche qu'on trouvait les plus polyvalentes pour les techniques qu'on pensait utiliser. Donc, celle que j'ai avec moi, c'est une canne à pêche dans la gamme Elite Tech, Walleye. Et évidemment, c'était la Medium Extraface. C'est la canne qu'on a utilisée, qui nous a été aussi utile pour pêcher à la jig, mais dans ce cas-là, nous, on l'a utilisé pour faire le drop shot. Avec un moulinet, dans ce cas-là, c'est un Flugger Patriarche, grosseur 25. Ça fait un ensemble qui est très, très bien pour ça. Évidemment, comme tu l'as mentionné, c'est davantage une canne pour jiguer. Ouais. Sauf qu'en ayant puissance moyenne, action
rapide ou très rapide, c'est les bonnes caractéristiques d'une canne à drop shot. Dans un monde parfait, on l'aimerait plus longue. Hein. Si vous êtes dans votre bateau ou que vous avez de la place en masse ou encore que vous voulez acheter une canne spécifiquement pour le drop shot, on peut être autour de 6 pieds 8 à 6 pieds 10, puissance moyenne, action rapide ou très rapide. On a la canne idéale. Mais là, hein, à part qu'elle est un peu courte, je veux dire, on fallait y aller avec ça. On était en portage, mais on ne pouvait pas se permettre d'avoir 8 cannes avec nous. Là. C'est en plein ça. Puis étant donné, en fait, c'est une canne qui est un petit peu plus courte, comme tu le disais, mais c'est très sensible. Ça prend ça pour sentir les touches quand on pêche au drop shot. Là. On peut pas faire le drop shot avec n'importe quelle canne à pêche. C'est vraiment un ingrédient de la recette primordiale pour pêcher le drop shot, c'est d'avoir une canne qui a une sensibilité incroyable parce que les touches sont souvent très subtiles. Le poisson n'est pas en activité quand on pêche comme ça. Exact. Alors, les attaques sont très subtiles. Puis, ce que tu dis, s'il y a une technique, tu sais, il y en a plein de techniques. Puis, dans certains cas, la canne a de l'importance, mais peut-être pas tant. Mais on peut toujours finir par se dépanner avec ce qu'on a dans le bateau ou dans notre coffre à canne. Ça peut peut-être faire le travail quand même. Mais au drop shot, c'est primordial. Sans plein ça. Donc, ça vaut vraiment la peine d'investir un peu plus de sous pour se procurer une canne qui est sensible, qui est de qualité. Maintenant, comment tu travaillais tes affaires? Évidemment, ce que je tentais de faire, moi, c'est moi qui étais au contrôle du bateau, c'est de nous positionner au bon endroit, au pied d'un talus. Mais là, il y avait une brise, hein? Fait qu'on se laissait dériver. Oui, exact. À partir de ce moment-là, comment tu travaillais tes affaires? Bateau en dérive, disons, entre un demi et trois quarts de mille à l'heure. Oui, c'est en plein ça. Donc, avec évidemment, avec la vitesse de la dérive où on allait, j'ai choisi la pesanteur du plomb drop shot en conséquence. Si on aurait été un petit peu plus vite, j'aurais pris peut-être un plomb un petit peu plus gros. Si on aurait été un petit peu plus lent, j'aurais pris un plomb un peu plus petit. Ça donne rien d'avoir un plomb trop gros pour rien. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on dérivait, comme tu le disais, une vitesse de moyenne peut-être de 0.8 à 1 000 à l'heure maximum. À prime abord, je laissais descendre le plomb tout doucement dessous l'embarcation. Quand j'atteignais le fond, là, c'est le vent qui travaillait pour moi. Et donc, le vent poussait sur le côté de l'embarcation. Le fil, en fait, prenait un certain angle parce qu'évidemment, le plomb restait au fond. Quand j'avais atteint un angle d'à peu près 45 degrés, là, à ce moment-là, je commençais à faire traîner mon plomb sur le fond. Donc là, le plomb, on le sentait tranquillement glisser, glisser, glisser. Et écoute, le plomb, évidemment, avec la canne, comme on le disait, super sensible, le plomb est sur un fond mou, on le sent. C'est un fond mou, touche une roche, on le sent qu'il vient de toucher une roche, etc. Donc, de cette façon-là, avec un angle à 45 degrés, ça me permettait de pouvoir traîner, que le leurre ait un bon angle. Parce qu'avoir été, moi, je pourrais dire, avec un angle plus grand, ça faisait peut-être à 60 degrés derrière l'embarcation, bien, le leurre aurait peut-être moins bien travaillé sur le fil. Donc, avec un angle à 45 degrés, une vitesse de 0.8 à 1 000 à l'heure, ça me permettait d'avoir toutes les sensations puis de pouvoir déceler la moindre touche là, ou la moindre action que j'avais sur mon leurre. Puis visiblement, ça a bien fait le travail. Puis les gens pourraient se poser la question, puisqu'on peut monter ce leurre-là sur une tête de jig, pourquoi, quand la pêche est difficile, c'est meilleur en drop shot? Puis la réponse à cette question-là est très importante parce que ça influence la façon qu'on travaille le leurre. C'est quand on monte ça sur une jig, ça le dit, on jig. Fait qu'il y a de l'action verticale, on relève notre jig de 1 à 2 pieds, par exemple. C'est vraiment une action verticale. Quand on est en drop shot, dérive, comme tu le disais, le leurre s'en vient subtilement, horizontalement. Puis je pense, de temps en temps, tu bougeais le bout de la canne. Oui, exact. C'est ça ce qu'on appelle juste faire vibrer un peu le bout de la canne pour que le leurre ait une tendance à vouloir bouger légèrement. Ça lui donne vie à quelque part. Ça lui donne vie, exactement. Au lieu qu'il soit presque sans action. Fait qu'on se retrouve avec une action horizontale, un petit peu de mouvement léger comme ça, et non pas jiguer. Fait que ça, les pêcheurs de doré, là, au début, quand on pêche comme ça pour la première fois, on a tendance à vouloir jiguer ça. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Sinon, pêcher à la jig, là. Oui, exact, c'est ça. Et ce qu'on a passé par-dessus tout à l'heure, assez important comme point, c'est que l'hameçon et le plomb sont attachés sur un leader en fluorocarbone qui est à toute fin pratique invisible dans l'eau parce que si vous constatez en l'attachant avec un nœud palomar de cette façon-là, la proximité du leurre au fil, c'est une haute importance que votre fil soit idéalement invisible dans l'eau. Mm-hmm. En terminant, ce que j'ajouterais peut-être, je vais me libérer les mains. Là, on remarque que tu as très bien attaché ton hameçon, la pointe de l'hameçon va vers le haut, vers la canne à pêche, si on veut. C'est important. Faut pas, surtout pas que l'hameçon se retrouve en position inverse, c'est-à-dire vers le plomb. Vous allez nettement avoir moins de succès au ferrage. Donc, la pointe vers le haut. Puis là, vous remarquez la façon particulière que Marc-André l'a monté. C'est de son propre cru. Marc-André, tu le fais toujours comme ça, oui. Puis ça marche.
Oui, puisque je trouve que ça donne un petit peu plus de rigidité à notre leurre. Il a tendance à vouloir garder son action puis son angle là, un petit peu mieux de cette façon-là. Mais évidemment que c'est pas la façon habituelle qu'on est habitué, ça fait des habitudes pas mal, ça, que les gens utilisent là, ou attachent plutôt leur leurre après l'hameçon. Ça change un petit peu l'action. Peut-être que si on est deux pêcheurs, on peut se monter chacun d'une façon différente. La façon classique de faire, c'est simplement piquer par le nez comme ça. C'est différent. Il va se comporter différemment sous l'eau. Mais on le voit déjà. À toute évidence, comme tu l'avais monté, les gros dorés aimaient ça. Oui. Fait que je pense qu'on a fait pas mal le tour. Là. Pour résumer ça, on parle vraiment d'une technique qui peut sauver votre pêche quand la pêche est lente et difficile. Idéalement, il faut avoir trouvé les poissons parce qu'on couvre pas beaucoup, beaucoup de terrain. Mais on les voit dans le sonore, on a essayé toutes sortes de façons, ça fonctionne pas. On se met au drop shot. Puis même si c'est une technique de finesse, avec des leurres relativement petits, on peut prendre vraiment des beaux dorés puis sauver notre pêche avec le drop shot.